Mais comment je vais battre Fuse? Alors déjà, c'est pas avec cette cavotte, c'est avec une cavotte charnue. Faut mettre la cavotte charnue. Est-ce que j'ai un nébuleux? J'espère pas. Yes, j'ai pas de nébuleux. Ça veut dire quoi, Fuse? C'est-à-dire qu'on peut faire un kill T2. Ouais. Par contre, la cavotte charnue serait peut-être morte là. Donc, cavotte charnue. Ah, ce qui est cool avec cette cavotte, c'est qu'elle se met sans une de vue en fait. Il y a ça aussi. Une fois que t'as goûté à d'autres classes, le cra a un goût de trop peu. Ouais. C'est l'escapie. Est-ce qu'il y a des classes plus fades que le cra? Tout à l'heure, on parlait du forgelance. Forgelance, ça va, tu fais des trucs, quoi. Enfin, moi, je trouve pas qu'il y ait de classes, tu fais toujours la même chose dans la mesure où t'as plusieurs stuff déjà. Peut-être le Zobal. Le Zobal est assez monotone, je trouve. Parce qu'en fait, t'as que un stuff possible et tu fais pas de T2. Par exemple, un Enni ou un Roublard. L'Enni, on n'est peut-être pas encore habitué à ses dégâts de fou. Le Roublard, c'est des T2 qu'il fait. Et il y a une attente peut-être pour un T1 contre un Ekaflip qui a joué haut. Mais le Zobal, vu que c'est UT3 et c'est toujours le même stuff qui est le plus viable. Après, moi, le Zobal, je joue aussi Poulash. Hein. Mode Poulash, ça passe tellement bien. Les Utrophes feu, peut-être. En vrai. C'est pour ça que les Utrophes, c'est bien avoir plusieurs stuff. Pour changer de gameplay. De toute façon, il n'y a que ça, hein. Pour changer une gameplay, il faut plusieurs stuff. Ouais, voilà, tous les éléments se jouent sur Kra. Pendant full low, le R est cringe. C'est full ZZZ aussi. Je farm avec ça en ce moment. Pendant full low ZZZ. Il y a peut-être des moments pour changer ta routine. Tu vas tenter un double Alcochou T2 avec double Vagalam. Un ennemi. Moins 9% R, c'est un T2, ça, je pense. Salut, Benny. T'inquiète. Il n'y a pas tant de cra R que ça. En fait, vous voyez, quand on flamiche une KO de charnue, ça nous donne des shields. Ah, il faut rejouer des fois le crap pour montrer à quel point le potentiel est fou, quoi. Tac, tac. Ouais.
Le joueur s'avance dangereusement. Stuff premium, j'étais à 4600 au max. Après, je suis pas un Minecraft. Bon, c'est pas dur d'être un Minecraft, hein, en quelque sorte. Enfin, je trouve, hein. Sans vouloir mettre qui que ce soit à dos. Est-ce qu'il me tue? Ouais, je pense. Ouais, je pense qu'il me termine. Ah, s'il me tue pas, il est mort. En medium, je m'équilibre autour de 4400 avec juste le mode R et Ben. Ouais, ok. Salut Scoyers. Sur cette map, avec la DP, tu peux taper T1. Ouais, avec le mode Terre, c'est pas mal. Mais là, vu que je suis dans un mood ébène, j'ai fait exprès de me full boost comme ça. Ici, j'ai un T3 de fou. Et là, sur YouTube, il s'abonne. Abonnez-vous! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de modes de ouf. Là, j'ai passé 4004. On va croiser du 200. Ouais, j'allais dire, c'est une map où on peut jouer feu. Non, en fait, pas trop. Pas trop. C'est une map où on peut jouer haut, facilement. Ah. Ah, j'ai dit qu'on est croisé du prix Tech Boy. Ouais, parce que là, en haut, on fait ça, en fait. Tac, tac. Le matchmaking Sadi est encore mieux que le matchmaking Kra. Bah, Boulish, il me semble qu'il m'a dit que c'était... Non, je sais plus, quelqu'un m'a dit que c'était pas trop le cas, mais ça m'étonne parce que le Sadi est vraiment top ladder. Mais de très loin, donc je me dis qu'il a quand même un très bon matchmaking. Sacri, faut lire mieux. Ah, j'ai eu Sadi. Pardon, Tom. Ah oui, non, mais le matchmaking Sacri, il est ouf. Je suis un peu comme Percy Jackson. En fait, j'ai quelques facultés à lire le grec ancien. Et du coup, quand je lis vos messages, les lettres s'inversent. Ça fait des hiéroglyphes, des fois à la place. C'est pour ça que je galère par moment à lire ce que vous mettez. Et c'était une pre-tech, Queen. La pre-tech, item de merde depuis 2020. Et c'est une pre-tech, Queen. La pre-tech, item de merde depuis 2020. Je joue un perso, j'ai pas compris la moitié de mes sorts, mais j'ai une pre-tech quand l'adversaire n'en a pas. Pouh, je le vois plus,